Quoi? Aucune raison, pourtant Internet marchait bien. Enfin, à mon avis, pas si bien que ça du coup. Mais voilà, il y a eu un petit problème. J'attends de voir que tout fonctionne sur mon live et je reprends où j'en étais au niveau de la mine. En tout cas, nous sommes couche 11. Donc au niveau du diamant, c'est bon. Peut-être relancer la page. F5, relancer la page. Hop, parce que moi, je ne la vois pas. On est à combien de followers, les gars? Tiens, j'en profite vite fait de cette mini-pause pour regarder. Ok, encore 23 followers et on est aux 10 000. Ok. C'est bon, normalement, parfait, j'avance. Vous me redites surtout en cas de crash. Oh, merci Yanus Bonus pour le sub. Merci beaucoup. Je te rajouterai du coup sur le mur des subs et je vais te créer ton petit villageois tout à l'heure. Merci beaucoup. Hop, voilà, t'as failli te sub pendant un crash, ce serait catastrophique. Merci beaucoup en tout cas, c'est super sympa. Allez, c'est parti. Hop. J'ai l'impression que ça recrache ou alors c'est moi, non, c'est moi qui parle peut-être. Je vérifie quand même. Non, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, j'ai un peu peur des crashs, quoi. Hop, allez, l'objectif, trouver du diamant, on va se mettre là et on va aller tout droit pendant, allez, à peu près 5 minutes et on va essayer de se trouver, eh bien, soit des petites mines, soit du diamant directement comme ça, soit de tout ce qu'on peut avoir en fait, hein, ce serait quand même assez intéressant. Donc, ah oui, le sub goal, il faut que je change, texte. Sub goal, nous sommes maintenant à 7 subs sur 50. Merci beaucoup. Hop, voilà, reprendre la partie. Du coup, Yanus, je fais les 5-10 minutes de diamant, j'essaie d'en trouver. Et puis après, je te crée ton petit villageois dans la maison. Avec Mika, du coup. Mika, tu ne seras plus tout seul dans ta maison. Ok, plein de lapis-lazuli, ça c'est cool. On est coloc, exactement. Un petit peu de redstone, comme ça je reprends un peu d'XP, ça c'est bien également. Ah! Oh! Bah j'ai même pas regardé, j'étais en train de regarder les commentaires. Boum! Diamant! Ok, parfait, bah déjà un diamant. Hop, oh, il y a plein de diamants, il y a plein de diamants. Deux diamants, trois diamants, quatre diamants. Parfait, c'est super ça. On va avoir normalement le full diamant dans ce live, ce serait nickel. Allez, on continue. On continue, on continue. Hop. Faudrait que j'arrive à retrouver une petite cavité là, tout ça, où dedans il y a plein de diamants d'un coup, ce serait pas mal. Merci les gamers du 843 pour le follow, merci beaucoup. J'étais en train de regarder le chat, du coup j'étais en train d'aller tout droit en fait sans regarder. Et là je vois que ça brille bleu, je fais stop, stop, stop! Du diamant, il faut 24 diamants. Ouais, mais j'ai déjà jambière et plastron, donc en fait il m'en faut 5 plus. Je me demande si c'est pas 5 aussi pour les bottes. Ça, non, ça doit être 6. Donc en fait il m'en manque plus beaucoup, hein. Dommage de pas avoir de pioche efficacité. Bah non, c'est pour ça que je suis en train de faire mon élevage de vaches. Merci Lucille pour le follow. Je suis en train de faire mon élevage de vaches pour pouvoir faire des bibliothèques. Mais bon, attends, je suis qu'à mon deuxième live. Hein. Je suis du coup, c'est normal aussi que je n'ai pas encore tout d'amélioré. Hein. On est vraiment parti à zéro de la survie, donc il faut y aller petit à petit, quoi. Hop, voilà, ça c'est bon. Je vais récupérer le fer quand même. Bon, je pense qu'en fait, la prochaine fois qu'on trouve du diamant, j'ai le full stuff diamant. Merci Vitouille pour l'abonnement. Ah, c'est 4 pour les bottes. Ah ouais, bah ça va. Ça va, je vais les avoir facilement. Hop. Bon, pour l'instant, je vais tout droit. Je trouve rien. Enfin, en tout cas, pas de mineshaft, pas de cavité, rien du tout. Bon, j'ai trouvé du diamant, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir mieux. Mais franchement, j'ai trouvé du diamant assez rapidement. Mine de rien, c'est pas mal. Il est 36, on va dire que je vais encore tout droit jusqu'à 41, jusqu'à 16h41. Et si je trouve pas de diamant, je fais demi-tour. Mais bon, ce serait cool d'avoir le full stuff. En plus, la récompense, c'est une hache en diamant. Donc, c'est quand même pas mal. Merci, Crouton Luca, pour le follow. J'ai cru voir un diamant au-dessus de toi. Non, 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 je pense pas. Je pense pas. Souvent, dans les vidéos, on me dit, ah, t'as arrêté du diamant, t'as arrêté du diamant. Mais en fait, c'est souvent. En fait.
des pixels, tout ça, du coup on croit en voir, mais bon. Après, de toute façon, sinon sur le chemin du retour, on pourra peut-être le voir, mais pour l'instant, on ne voit rien. J'entends rien, j'entends pas de là. Oh, diamant! Oh, très très bien, diamant au psy. Allez, 1, 2, 3, 4, encore 4 diamants. Pourquoi ils ont disparu mes diamants, vous avez vu? J'ai cassé mes diamants, mais ça m'a pas donné de diamants. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi ce problème? Non, mais mes diamants, c'est pas possible. Il y en avait 4 et ils se sont cassés sans que je les récupère. C'est pas possible ça. Un bug. Oh non, c'est trop bête. C'est quoi ça? J'entends une espèce de lave. C'est pas de la lave ça. C'est pas de la lave. Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de volcan. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir ce que j'ai là. Ça fait tout disparaître. C'est ça qui a fait disparaître mes diamants. Je sais pas ce que c'est. C'est du pétrole. Et ça marche comment le pétrole, les gars? Ça sert à quoi? Ça fait quoi? Comment je le récolte? Avec un seau? Ah! Sautard, d'accord. Et ça fait tout disparaître. Saleté de pétrole. Alors attendez, est-ce que je peux récupérer mon eau? Non, j'ai vraiment perdu mon eau. Ah, ça craint. Des sables mouvants. Oh non, mes 4 diamants. Alors là, par contre, je suis dégoûté. Puis en plus, j'ai perdu mon seau d'eau avec ces bêtises. Du coup, si je retrouve de la lave, je risque d'être un petit peu embêté. Salut, pseudo choisi. Super pseudo au passage. Ah, la déception. Non, non! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, il y a eu un bug, genre encore un. Comme si un pétrole m'était tombé dessus. J'aime pas du tout cette zone. Je sens qu'il va y avoir des gros problèmes. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans un endroit. Je comprends rien. Je me suis à moitié téléporté. C'est du slime noir. Bah, j'y comprends que dalle à ce slime noir. Hein. Dis donc. Bon, on va essayer d'aller tout droit. On va essayer de ne pas faire de bêtises. On va essayer de comprendre. Give-toi 4 diamants. Non, non, pas de triche. Hein. Il y avait du pétrole qui m'a eu. Il y avait du pétrole qui m'a eu. Mais c'est quand même bizarre. Normalement, il n'est pas tombé dans le pétrole. C'était vraiment à côté, quoi. Mon logiciel de stream, c'est OBS. C'est gratuit. Hop. Merci, Yilkos, pour le follow. Il y a une commande pour voir les mods qu'il y a. Et bah dans tous les replays que je mets sur YouTube, tu as le lien de ma chaîne YouTube en bas si tu veux, de la vidéo Twitch. Et bien, il y a la liste des mods dans toutes les descriptions de tous les replays de mes lives. J'entends encore du pétrole. En fait, il faut que je m'éloigne de cet endroit-là. Donc, je vais repartir par là. Parce que le pétrole, c'est une catastrophe. Si ça fait disparaître mes pauvres petits diamants, on est mal. En fait, je récupère. Oh, t'as raison. Ok, je me TP. Slash TP, je retourne à la base et on va partir à un autre endroit pour la récolte de diamants. Là, je récolte plus rien. Attends, je peux me TP au moins, j'espère. 64, 151. Oh, j'ai un bug et. Je peux plus rien récolter, je peux plus me TP. Je décoreco. C'est bizarre, hein? Relance ton jeu. Ouais, c'est bizarre quand même, c'est très bizarre. Si, Optifine, je crois que je l'ai marqué dans les rediffs. Oh, et il a du mal mon Minecraft, hein. Là, j'arrive même pas à sauvegarder et quitter. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je lag. Ouais, non, non, mais là, ça m'étonne pas. Et j'ai des. Oh, j'ai mon PC qui a planté, je crois. Alors, je force l'arrêt, je relance le jeu. Hein. Fin de tâche. Hop, zou. Allez, on lance Minecraft. Je sais pas ce qu'il y a eu. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu.
Hop. Give-toi des diamants parce que c'est à cause du bug. Ouais, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est bizarre hein, quand même ce bug. J'ai jamais eu ce bug-là sur Minecraft. Merci Garius. Alors, on a combien de followers là? On doit s'en rapprocher des 10 000. Allez, allez. Ah là là, 9984. Il manque 16 followers et on est à 10 000 sur Twitch, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Merci Pierrot pour le follow. Je suis en train de se relancer hein, le jeu. Hein. Ok, solo, c'est parti. Live Minecraft survie. Merci Simon pour le follow. Ah non, propos, relance la page, tu vas voir, ça s'actualise après les followers. Allez, c'est bon. Chargement du terrain. Est-ce que ça m'a rendu mes diamants? Non, ça m'a pas rendu mes diamants. Et là, c'est bon, on récupère des trucs. Ok. Bon, alors, je me retépais à la base, déjà. Attendez, je vous montre hein, quand même. J'enlève le diaporama, ce sera plus sympa. Je me retépais. Je me. Oula, je me retépais à la base. Moins. J'ai des problèmes. Moins 250. 64. Attendez, est-ce que ça live encore là? J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est bon. Désolé, parce qu'en fait, mon PC a fait un bruit bizarre, genre touloum, genre il y a un bug, tu vois. Donc, c'était pas normal. Ok, retour à la base. Donc, slash mode créatif. Non, c'est game mode. Créatif. Donc, on a dit 4 diamants. Donc, diamants. 1, 2, 3 et 4. Pas un de plus. C'est parti. Et on se remet en mode survie. Slash game mode. Survival. Ok, c'est bon, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir faire normalement le full stuff en diamant et du coup récupérer l'objectif de la hache en diamant. Du coup, si on retourne dans la mine, ils seront peut-être là les 4 diamants. Ouais, peut-être, mais je pense pas parce que t'as vu ce que quand je me suis reconnecté, ce que j'avais creusé, bah, il y avait vraiment, c'était vraiment creusé. Ok, et il me faut un diamant, mais en fait j'en ai là, donc c'est bon. Donc là, normalement, je peux faire le full diamant, c'est-à-dire le casque et les petites bottines. Voilà! Et il me restera 2 diamants en cas de besoin, donc ça c'est pas mal également. Donc, hop, le casque et ensuite les bottes en diamant, parfait. Ensuite, bah, ça je vais remettre ça là-dedans, ça aussi, ça je vais laisser ça comme ça, parfait. Ah j'ai du blé ici, tiens, hop, ok, parfait. Les vaches, ok. Oh je pourrais faire ma première bibliothèque aussi tout à l'heure, ce serait pas mal. Merci Kilby pour le follow. Salut à ceux qui viennent d'arriver, salut Titou, salut JJCC. Alors, du coup, objectif réussi, c'est... Avoir une armure full diamant, du coup je gagne une hache full diamant. Parfait, très très bien. Du coup je vais la mettre à la place ici. Ok, bon ce serait bien qu'on fasse les premières bibliothèques. Donc où est-ce que j'en suis niveau culture? Et ce serait peut-être bien aussi du coup de faire travailler un peu les villageois. Ok, du coup je vais avoir encore 2 blés pour pouvoir nourrir mes vachounettes. Et on va essayer de faire travailler les villageois. C'est-à-dire je vais leur faire des petits champs avec de l'eau et on va voir s'ils vont bien vouloir bah, travailler tout simplement. Ce serait cool. Allez hop. Bon, je commence à avoir de la vache, hein. C'est bien ça. Vas-y. Saleté de bouclier. Hop. Attendez. En fait, je vais enlever mon bouclier parce que il me gêne. Hop, ça c'est bon. Voilà. Tu lui donnes ou pas? Je crois que mon Minecraft il plante encore, les gars. Ah, ça y est. Il y a un creeper sur ma base. Donc maintenant, il y a un creeper sous ma base. On va essayer de le tuer sans qu'il fasse tout péter, si possible. Ok. Ok, parfait. Travailler esclave, et oui, t'en fais partie, Mika, en plus, alors attention. Hop, et puis il faut que je rajoute du coup Janus Bonus en 7e villageois. Tes vidéos Dofus me manquent. Bah oui, Kilby, bah, dès qu'il va y avoir Dofus Rétro, je reprends. Ok, donc ça c'est bon. Donc mon petit escalier à la demande de tout le monde. Voilà, comme ça fera mieux. Parfait.
Donc, mes vachounettes, ça va. Donc, il faut que j'aille chercher. Déjà, on va tuer le petit creeper. Non, 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 non. Je croyais qu'en fait, l'autre, avec sa flèche, il allait m'envoyer sur le creeper et que ça allait faire sauter la maison. Faut pas exagérer non plus. Voilà, ça c'est bon. Tu as vu les informations 1.15? Bah, je suis un peu sur Twitter. J'ai vu juste les abeilles pour l'instant. Alors, il me faut une petite pancarte. Donc, je vais mettre ça ici pour l'instant. Pancarte, je peux en faire une. Voilà. Hop. Donc, merci, Yanus Bonus. Tu es le septième sub. Yanus Bonus. Hop, comme ça. Voilà, ça c'est bon. Et du coup, je te fais un petit villageois. Hop, œuf de villageois. Étiquette. Voilà. Hop. Yanus bonus. Hop. Et tu vas pouvoir rejoindre le village des petits villageois. Je vais mettre ça là. Et on va essayer du coup de faire travailler tout le monde. Ce serait cool ça. Donc je vais peut-être agrandir un peu leur terrain et on va faire de la déplantation avec ça. Donc, ça c'est bon. Bah. Hey, ils sont où les villageois? Ils ont tous des pop avec le bug? Ah non, j'ai eu peur. En fait, ils sont tous cachés. Bon alors, merci d'accueillir Yanus Bonus, qui est un prêtre aussi. J'espère que ça va être moins un arnaqueur que Mika. Oh si, 36 chers putréfiés, mais vous êtes trop chers, les gars. Vous êtes trop chers. Bon, t'es toujours moins cher que Mika, tu vas me dire. Mais voilà. Ok, et ben voilà, nous sommes à 7 subs pour le village, donc ça c'est chouette. Maintenant, on va refaire des barrières, je vais agrandir un peu leur terrain, et on va essayer du coup de leur faire planter des choses. Vous savez que vous allez vous travailler, donc c'est pour ça que vous vous cachez. D'accord. Vous êtes vraiment des feignants, hein. Déjà que je vous invoque, je trouve que je suis assez sympa, et en plus vous vous cachez. J'ai ma houe ou pas? Non. Alors attendez, on va faire une petite houe. Il me faut un bâton. I need bâton. Voilà, merci. Et puis on n'a qu'à faire une petite houe en pierre, ça c'est bon. Donc voyons voir s'ils veulent bien planter des choses ou pas. Les creepers, c'est mes potes, ah bah pas moi. Pas moi du tout. Alors on va dire ici, là, je vous agrandis un petit peu le terrain. Voilà, comme ça, comme ça. En fait, à la limite, il faudrait que je prenne. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on va espérer qu'il ne s'échappe pas. Je tente un truc. Je tente un truc un peu risqué parce que là, pendant ce temps-là, ils peuvent s'échapper s'ils veulent. Voilà, hop, un, deux. Il me manque une barrière. Regardez, lui, c'est encore l'explorateur. Il veut absolument s'échapper. Mais c'est bon, il n'a pas réussi, Drago. Ok. Et là, maintenant, les gars. Vous allez travailler, j'espère. Donc c'est parti, houe en pierre. Je vous fais ça et on va voir s'ils vont planter automatiquement des graines ou pas. Je crois que ça, normalement, ils travaillent les villageois, hein, mais on va voir s'ils font ou pas. On va voir si ça marche. Salut Bibol, merci d'être passé sur le live. Tu es pour Macron ou Gilets jaunes? Alors surtout pas de politique dans les lives ni dans les vidéos, ça ne regarde personne et c'est très mauvais de toute façon de parler de ça sur les lives. C'est comme dans certains repas de famille, il y a certains sujets qu'il ne faut pas aborder. Ok. Bon. Ah, ils plantent, non? Vas-y, plante, s'il te plaît. Je vais leur montrer qu'on peut planter. Genre, je vais planter 3 graines de blé et des carottes. Genre, je leur montre quand même que s'ils veulent, les gars. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, une carotte et trois graines de blé. Et on va voir si. Il faut que ce soit des fermiers. Ah ouais, d'accord. Oh, merci pseudo choisi pour le sub. Merci beaucoup. T'es le huitième pseudo choisi. Hop. Bah, je vais te faire un petit villageois. Puis j'espère que tu vas être fermier et que tu puisses travailler. Merci beaucoup pour le sub. Alors, c'est parti. Je vais aller faire ça. Castle Story, pas tout de suite. J'ai d'autres objectifs pour l'instant. Alors, c'est parti. Oh! Merci Elite Blackout! Ah ben ça me fait 2 villageois supplémentaires. Alors, Black Out. Ça va être un grand nom de villageois. Merci beaucoup tous les deux pour les subs. On est du coup à bah, 9 subs sur 50. Donc franchement, merci beaucoup. En plus, on ne doit être pas loin non plus des 10 000 followers. Donc ça fait très plaisir. 9, ok. Par contre, en fait, dans 2 subs, je suis obligé de refaire une maison.
Alors on va y aller tranquillou. Hop, c'est parti. Donc deux œufs de villageois, un 2, deux étiquettes, un 2, très bien. Donc si les gars, il y en a un de vous deux qui pouvait être un fermier, mais ça m'arrangerait énormément. Merci Tizen pour le follow. Donc pseudo choisi, ok, ça c'est bon. Et ensuite, alors là, le pseudo est un peu plus compliqué. Elite Black Out. Voilà, normalement c'est comme ça que tu l'as écrit. Voilà, donc on va mettre les étiquettes ici et on va les faire spawn avec Mika. Donc ça y est, Mika, maintenant vous êtes déjà 4 dans votre maison. Allez, des fermiers, s'il vous plaît, des fermiers. Il faut leur donner des pousses pour qu'ils les plantent et il faut qu'ils soient fermiers. Ah ouais? Comment on leur donne des pousses? Ça, je sais pas. Allez, vas-y, fermier, s'il te plaît. Ah! C'est quoi ça? Pseudo choisi, tu es. Ah, t'es archer, c'est pas mal, j'en avais pas. Enfin, un truc de ce genre. Ah, scientifique! J'avais pas non plus, cela dit. Donc, certes, enfin, cartographe. Oh, excellent, livre enchanté, tout ça. Ça va être sympa. Donc, bon, ok, vous êtes pas fermier. Ça m'arrange pas. Mais au moins, vous êtes. Oula! Oula! Ah non! Mais d'où tu popes, là? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc ici, il va falloir que déjà je ferme tout simplement en fait. Je vais juste tout simplement fermer et casser tout ça parce que sinon en fait les zombies peuvent arriver et c'est dangereux pour mes petits villageois. Voilà. Ça c'est bon. C'est un pêcheur et il peut planter. Pseudo choisi, c'est un pêcheur? Non. C'est un. Pseudo choisi, attends, il est où pseudo choisi? Pour moi, c'était un mince, pas un archer, mais un, comment ça s'appelle? Si, je crois un archer. Ceci, c'est un pêcheur, c'est cool, hein? Azilaron, les bouchers. Pseudo choisi. Ficelle. Et tu vois, ça ferait plus arc. Et si je leur donne des, genre des carottes, ça marche ou pas? Ah, je peux pas lui donner des carottes. Non, il veut pas de carottes. Ok. Bon, bah, il me faudra d'autres fermiers. Retorche la zone. Ah ouais, d'accord, attends. Non, normalement c'est bon, hein. Je crois que c'est juste. Non, elle est torchée, c'est juste qu'en fait ils pouvaient passer à cause du bois que j'avais mis pour récupérer Drago, c'est pour ça. Ok, bon, ce qui serait pas mal là, c'est que j'arrive à avoir d'autres blés supplémentaires. À la limite, je suis bête. J'ai plein mince de poudre d'os, donc j'ai qu'à faire grandir les blés, comme ça j'en récupère plein, je fais plein de nouvelles vaches, et puis comme ça je pourrais me faire mes premiers cuirs et donc mes premières bibliothèques. Donc, tiens, graines de blé je vais prendre, je vais faire de la place parce qu'encore une fois, j'ai déjà re-rempli mon coffre, franchement ça craint. Voilà, mes poudres d'os c'est bon, ok, très bien, allez on y va. On y va, on y va, hop, poudre d'os. On va aller faire grandir le blé. Oublie pas la canne de sucre. Ouais, mais je l'ai à côté. Il peut planter, c'est ce avec le tablier marron. Ok. Et du coup, après, pour les faire planter, faut faire quoi? Faut vraiment que je leur donne des graines de blé ou un truc de genre? Voilà. Oh, la poudre d'os, c'est génial, hein. Par contre, là, je gagne un temps fou. Hop, voilà. Ok, parfait.